Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de l'OTB TV. Donc cette semaine on retrouve un rythme normal, hein. C'est vrai que la semaine dernière on avait un épisode un peu spécial avec l'épisode Handy Basket que vous pouvez retrouver ici. Mais donc là comme je disais épisode normal, donc on va revenir sur les matchs s'étant déroulés le week-end du 2 avril. Et donc pour commencer comme d'habitude, voici quelques images. Match à domicile, donc il n'y en avait qu'un, U17 CTC1, défaite 51-61. Et du coup, pour le match extérieur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, calme-toi, s'il te plaît. De toute façon, moi je n'ai pas qu'un match à dire. Ok, okay. Bah, vas-y. Hein. Et donc, pour commencer, samedi, nos deux filles se rendaient au ralliement du Castier et ont perdu 82-47. Seigneur garçon 1, 92-69 contre Colomiers. Seigneur garçon 2, défaite 82-64 contre le Grand Armagnac. Et donc désormais dimanche, U15 CTC1 défaite 79-73 à Lourdes. U15 garçon match égalité 63-63 contre la TB. Pourquoi pas. Et donc pour terminer, senior fille 2 défaite à Ramonville 59-50. Les demi-finales de la Coupe de la Garonne, senior garçon, senior garçon fille. Bon, je vous laisse faire pause hein, si vous voulez avoir le temps de tout lire. Et donc, on vous met également le lien pour la vidéo du GOTB. Et sachez aussi que les joueurs qui voudraient intégrer la filière performance du GOTB donc, doivent donc candidater, remplir un formulaire. Et donc, pour ceci, renseignez-vous auprès soit de vos coachs, soit directement contacter monsieur Xavier Ribaud qui pourra répondre à toutes vos questions. Ah, ouais, attends, remonte un peu, vas-y, là, ouais, là, tu dois être bien, là, parfait. Bon, mais du coup, c'est la fin de ce 18e épisode de l'OTB, comme d'habitude, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager. Quant à nous, on se retrouve donc pour épisode 19, non pas dans une semaine, mais dans deux semaines, en effet, vacances de Pâques, et bonnes vacances à vous, du coup, et bien sûr, n'oubliez pas,